Salut à tous, c'est parti pour la suite de Things 3 et tout en pleine affaire où Hunter refusait d'être reconnu innocent. Allons-y. C'est la prescription, c'est pas important. Bon, c'est là où Phoenix Wright des fois suit pas du tout les lois. Mais bon, c'est pas grave. C'est loin d'être fini, hein, vous en faites pas, il va y avoir bien plus de révélations que ça. Ce qui était un procès d'une affaire devient un procès d'une autre affaire. On peut dire hein, que le procès de l'affaire en cours est fini, hein, c'est Inu Yogi coupable. Voilà. Enfin, il n'y a pas vraiment de coupable en fait. Enfin, si, il y en a un. Si. Enfin. Mais là, par contre, on a fait le vrai procès de l'affaire déjà classée. Il avoue quand même qu'il suit pas les règles. Tout à fait normal pour un avocat. Voilà, c'est le boss final.
Tant que cette affaire est beaucoup plus intéressante que celle sur laquelle on était. Il a un coup dans la poitrine, un coup dans la porte de l'ascenseur, donc soit le coup vient de la porte, enfin en dehors de la porte, soit il y a eu deux coups de feu. C'est bizarre. On va regarder le dossier. Ça veut rien dire, l'air dans l'ascenseur était de l'oxygène. Deux coups de feu, bah voilà, il y a rien à dire de plus. Moins des bruits. Je me rappelle pas de la page. Sur la victime. Ouais, c'est un peu gros là ce qu'il dit.
Je pense que oui. On voit pas ce qu'on peut faire. Regarde, il y a genre un espèce de double vitrage. Il y a le coup de feu. Il y a t'es fait depuis l'intérieur de l'ascenseur, on dirait. Ouais, mais par contre, comment. Aucune idée. Non mais attends, si ça se trouve, ce qu'il demande, c'est juste... Ça a été tiré dans l'ascenseur, en fait. Parce que quand il dit deux coups, il était tiré avec l'arme du crime. Il se dit, quand il dit, ça n'a pas forcément de rapport avec l'affaire, je pense c'est qu'il a été tiré ailleurs, en fait. Un endroit où on sait pas. Alors que là, ouais, ça prouve, ouais, ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je sais pas moi. Quelqu'un a pu tirer dans l'ascenseur avec l'arme du crime la veille. Et après, bon, enfin bref. C'est tiré par les cheveux ce que je dis. Ouais. Voilà, la preuve finale est évidente.
Bien sûr, on en a une, hein. Sinon c'est la fin. Là, c'est logique. Clairement ça. Non, ça c'est la balle d'Hunter. C'est trop bizarre ce qu'il dit juste que lui dit Mia. Intermédiaire de Maya, hein, c'est parce qu'il entend des trucs. C'est-à-dire qu'il avait pas le choix. Ce serait Henry Hunter qui l'aurait tiré dessus. Une quatrième personne. Tant qu'il n'y a pas de preuve du contraire, c'est bon normalement.
C'est sûr que personne s'y attendait. Gueule de sadique. On est pas en relais quoi. Je sais, je sais. Haha, prends ça dans ta gueule.
C'était obligé, j'y pensais, je me disais, ça veut rien dire. En fait, il gagne du temps cet enculé, parce que c'est très bien que demain il y a prescription et on peut plus rien faire. Ouais, c'est à nous de prouver le contraire. Tiens l'épaule droite en plus quand il est comme ça. Du coup, bah, ça doit être ça parce que c'est la balle. Je pense que le but ce serait de comparer les empreintes balistique et voir si c'est tiré avec la même arme. Elle est bien niquée, hein. Il n'y a plus ces preuves de merde, ces falsifications.
c'est vraiment n'importe quoi ce mec. Il pète un câble, gros hystérique. Et après il fait juge. Jugez-moi coupable. Et il doit pas comprendre lui ce qui se passe. C'est fou là. Sa phrase favorite. Oh l'enculé! Non. Hallucinant quoi. C'est la plus grosse révélation du jeu. Thank you.
fait, il nous a défendu et tout, alors que c'est parce que c'était lui en fait. Ah non, c'est pas lui qui nous a défendu, c'est. Hunter. Bah, c'est les deux alors. Les photos alors. Voilà, voilà, donc c'est bientôt la toute fin de Phoenix Wright 1. Même si c'est une affaire bonus que je vais sûrement faire. Et qui n'est pas vraiment dans le jeu d'origine, qui a été rajouté sur la version DS, comme je vous l'avais dit. Le gars, c'est tellement un avocat que même dans la vraie vie, il discute avec ses amis, il fait « Mais j'ai la preuve !» Voilà. Prends ça dans la gueule. Ouais, la preuve finale.
Voilà, donc c'est la fin de Phoenix Wright 1, le tout premier Phoenix Wright de la série, qui à l'origine était sorti sur Game Boy Advance au Japon uniquement, hein, et qui a été traduit en français quand il est sorti sur DS. Une réédition avec une cinquième affaire que je vais faire après. Cinquième affaire qui se passe assez longtemps après Phoenix Wright 1, parce qu'il y a Phoenix Wright 1, 2, 3. Et en fait, la cinquième affaire de Phoenix Wright 1 se passe après Phoenix Wright 3, en fait. Je vous expliquerai tout ça dans l'affaire, hein, ça sera plus simple. J'espère en tout cas que vous avez apprécié suivre le jeu avec moi. Je sais que c'était... Peut-être le format des vidéos était pas terrible, parce que c'était des longues vidéos, parce que j'essayais de les découper par chapitre. Bon là, j'ai fait exprès de couper en deux, parce que sinon, ça allait faire une heure et demie de vidéo. Mais j'espère que ouais, vous avez quand même apprécié, que c'était pas trop long. Dites-moi si vous voulez que je fasse la suite. Donc l'affaire bonus, je vais attendre un peu de publier tout ça, savoir si vous voulez que je la fasse. C'est pas une petite affaire, hein. L'affaire bonus c'est encore plus longue et 10 fois plus compliquée que l'affaire que vous venez de voir. Elle est horrible en fait, l'affaire bonus c'est vraiment... c'était pour les Japonais à la base... une nouvelle affaire qu'ils n'avaient jamais vue, vu qu'ils avaient déjà fait Phoenix Wright 1, 2 et 3. Et elle est très compliquée, l'affaire 5 de Phoenix Wright 1. Elle est très longue, enfin c'est... Ouais, ça m'a fait faire des cauchemars, cette affaire. La première fois que je l'ai fait, parce que bon, là maintenant je connais déjà. J'avoue, je regarde un peu des solutions aussi pour pas que les vidéos durent 10 ans. Mais à l'époque, voilà, je l'ai fait sans rien regarder. L'affaire 5, c'était... C'était l'enfer, quoi. C'était, je restais plusieurs jours bloqué dessus des fois. J'ai vraiment eu du mal à la finir. Voilà. Donc, on va pas trop parler de l'affaire 5. Hein. Dites-moi juste si vous voulez que je la fasse. Elle est pas chiante à suivre. Elle est compliquée. Donc, y a pas mal de persos. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant quand même. Et surtout, dites-moi si vous voulez que je fasse Phoenix Wright 2 et 3 déjà. Les autres, on verra. Donc déjà, est-ce que vous voulez que je fasse Phoenix Wright 2, surtout? On va y aller petit à petit. Je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui suivent ces vidéos de Phoenix Wright, voilà. Alors je sais pas si c'est... Parce qu'elles sont trop longues, donc c'est chiant à suivre. Est-ce que le jeu vous intéresse pas? Ou est-ce que simplement que vous regardez mais vous commentez pas, je sais pas. Après bon, moi je vois la différence avec les autres jeux. Bon, il y a moins de gens qui regardent, quoi. Voilà. Si vous manifestez en disant que vous voulez la suite, y a pas de soucis, moi je le ferai. Ça me fait plaisir. Le jeu, la série évolue dans le bon sens. Bon, le 2 est considéré comme le moins bon épisode. Mais c'est un très bon Phoenix Wright quand même. Hein. Moi perso, je trouve que les musiques sont mieux que celles du 1. Bon, y a moins d'affaires, il y en a que 4. Y a des nouveaux persos. Il y a un nouveau système dans le gameplay qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est quand même un jeu que j'ai envie de refaire, le 2. En plus, c'est celui dont je me rappelle le moins. Voilà. Donc si vous voulez que je le fasse, écrivez-le dans les commentaires et dites-moi si vous voulez la suite. Parce que si personne ne me dit que vous voulez la suite, je ferai pas la suite, je vous le dis. Je préfère pas faire tous les Phoenix Wright. Si ça intéresse pas les gens, si ça vous intéresse pas, vous pouvez l'écrire aussi, je comprendrai. Et puis j'essaierai de faire des vidéos plus courtes si je fais la suite. On profite de la fin du jeu. On voit tous les persos des affaires précédentes. Ça c'est la Cold Face du Samouraï, troisième affaire. Bon, la première affaire on voit rien hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de perso dedans. À part le... On voit ce que sont devenus tous les persos. Je sais pas si on voit ce qu'ils sont devenus ou si c'est juste des phrases qu'ils ont dit dans le jeu. Voilà la photo. La photo qui a été prise, on voit tout le monde, y compris Mia. Tous les persos principaux, quoi.
Voilà, donc ouais. Ça, c'était la petite surprise à l'époque, hein. Ce n'est pas fini. Voilà. Et ça, c'est la seule affaire qui s'appelle pas Volteface quelque chose. Ouais, pas mal. L'Artrox, encore pas mal avec le le perroquet et Yanyogi, Hunter et Karma, et en dessous, comment elle s'appelle? Eva. Voilà. Donc, bah, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez cet épisode, dites-le moi. Je me répète. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que c'est un peu la vraie fin de Phoenix Wright 1 là. Voilà. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des encouragements. Donc merci de commenter la vidéo si ça vous a plu et puis et de me dire si je fais la suite ou si je me concentre sur les autres jeux en cours ou des nouveaux. Voilà, merci à tous et puis à la prochaine. Salut, merci de m'avoir suivi.